Jour sa nouvelle salve de provocations entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le dictateur nord-coréen qualifie cette fois le président américain de fou dans le langage officiel du régime. Un dialogue sensé n'est pas possible avec un tel gars qui a perdu la raison et seule la force absolue fonctionne avec lui. Force absolue, l'expression répond au feu et à la colère promis par Trump au régime nord-coréen. Si l'escalade reste verbale, les menaces se concrétisent. Pyongyang annonce de quelle manière il compte frapper l'île américaine de Guam dans le Pacifique. Le plan opérationnel sera prêt mi-août, prévient la Corée du Nord, qui annonce pouvoir lancer 4 missiles. Ils survoleront le Japon avant de s'écraser à 30 ou 40 km de Guam, là où deux bases américaines abritent quelques 6 000 soldats.